venus si nombreux alors que c'est la fin, que tout le monde a envie de rentrer chez soi, d'aller prendre l'apéro et tout ça. Donc le sujet aujourd'hui, c'est donc effectivement la sécurité des noms de domaine à travers un cas concret qui est le malheur qui est arrivé à Wikileaks au mois d'août de cette année. Donc Wikileaks, je pense que la plupart des gens connaissent, un site qui sert à la fois à soumettre des fuites, des documents qui sont sortis de manière pas prévue, et qui après permet de les diffuser dans un but de transparence, lancement d'alerte et tout ça. Donc le point important, c'est que Wikileaks est très... Il y a beaucoup de discussions autour de Wikileaks, de sa légitimité, aggravée par la personnalité du fondateur, Julian Assange, qui est un peu, c'est un peu spécial des fois. Et donc, dès qu'il s'agit de Wikileaks, alors d'abord, ça veut dire concrètement, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'ennemis, et donc les problèmes de sécurité sont particulièrement cruciaux. Et en plus, ça veut dire que tout ce qui arrive à Wikileaks se trouve immédiatement sous le feu des projecteurs. Donc, ça commence le 30 août de cette année. Et puis les gens qui visitent le site web de Wikileaks, ah bah zut, ils voient ça. Alors, le texte n'est pas forcément très lisible, mais il y a les vantardises habituelles. On est des super hackers, votre sécurité est nulle, vous êtes nuls, on a une plus grosse bite que vous, et puis on a réussi à pirater votre site. Enfin, les trucs habituels qu'on trouve en cas de défiguration. La première réaction de la plupart des gens, c'est que c'était justement une défiguration traditionnelle, genre Wikileaks avait oublié de mettre à jour son WordPress, ils se sont fait pôner, et puis le contenu a été remplacé par la défiguration ici. Mais donc les références avec votre sécurité est nulle, c'est aussi parce que Assange, maladroitement, s'est plusieurs fois vanté d'être un hacker particulièrement compétent et que personne ne pouvait pirater Wikileaks. Ce genre de vantardise, même quand c'est justifié, c'est toujours un peu casse-gueule parce que ça va forcément être pris par le jeune loup de la meute là, qui veut bouffer le vieux mâle, ça va forcément être pris comme un défi. Donc on a ça, et donc à partir de là, sur les réseaux sociaux, tout de suite plein de messages, certains se moquant de Wikileaks de manière assez ridicule, hein, c'est du point de vue, c'est ça que c'est courant en sécurité informatique, mais se moquer de la victime, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment ridicule, on n'est pas dans un concours de... qui est la plus longue, on est normalement dans un travail professionnel pour améliorer la sécurité, et donc attaquer les victimes du genre votre sécurité était nulle, c'est vraiment très con, c'est reprocher à quelqu'un qui a été victime d'une agression que comment t'avais pas un gilet pare-balles de dernier modèle, c'est nul. Donc il y avait beaucoup de messages dans ce style là il y avait aussi beaucoup de messages les soutenant parce que Assange a aussi un groupe de fanboys autour de lui qui sont prêts à tout et à défendre systématiquement ce qu'il fait même quand c'est inacceptable ou même quand c'est délirant, donc pluie de messages dans tous les sens et donc une grande confusion. Julian Assange a démenti qu'il y a eu piratage, parce que la remarque immédiate ça a été ils se sont fait pirater, poney, pénétrer, tout ça. Julian Assange a démenti, mais les mots sont importants et une partie du débat c'était aussi qu'il n'y avait pas forcément un accord sur ce que voulait dire piratage. Alors voilà par exemple l'article du Guardian là-dessus qui a mis acte entre guillemets. Du genre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, défiguré via une attaque DNS avec des messages humiliants, et c'est vrai qu'effectivement Assange a donné des verges pour se faire battre en insistant que lui on pourrait jamais pirater son site. Donc là le point important c'est les guillemets autour de ACT, est-ce que ça a été vraiment piraté ou pas, comment, et voilà la réponse que Julian Assange avait mis sur Twitter en disant non, on n'a pas été hacké, c'était une attaque sur le DNS et il faut utiliser HTTPS ou le point oignon. D'ailleurs dans la copie d'écran qu'il y avait au début, c'était bien du HTTPS, hein. HTTPS, alors on reparlera après de ce que permet ou ne permet pas HTTPS, mais HTTPS n'est pas une solution magique. En sécurité, il n'y a jamais de solution magique. Ça ne permet pas forcément de détecter tous les problèmes. Donc là, la situation, après quelques centaines de tweets, d'échanges, d'engueulades, d'articles, les gens ordinaires qui suivaient l'affaire de l'extérieur devaient être bien perturbés autour de « Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont été piratés ou pas? C'est quoi le problème ?» Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors, pour le voir, pour avoir des faits, parce que j'accorde une grande importance au fact-checking, faut à chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut le vérifier. Et en matière de sécurité informatique, vous avez 99% des articles dans les médias ont au moins une erreur. Ça, c'est les bons.
la plupart des articles sur la sécurité informatique dans les médias ont 2, 3, 4, 5 énormes erreurs. Donc c'est important à chaque fois de citer les faits sur lesquels on s'appuie, de manière à ce qu'on puisse vérifier. Par exemple, moi, je ne travaille pas à Wikileaks, je n'ai pas accès au serveur de Wikileaks, je n'ai pas de possibilité de dire qu'est-ce qui s'est passé sur les serveurs de Wikileaks. Par contre, j'ai accès à DNSDB, et là, ça me donne des informations. Donc DNSDB, c'est la plus grosse base de passifs DNS. Le passif DNS, c'est des systèmes où il y a des sondes près de résolveurs DNS importants qui collectent les réponses DNS. Pour des raisons de protection de la vie privée, on ne collecte pas la requête complète avec les adresses IP du demandeur et tout ça. On collecte uniquement les réponses et on se bâtit petit à petit comme ça une image du contenu du DNS à un moment donné, parce que ça change tout le temps. Ici, donc, on a les trois éléments possibles. J'ai demandé quels étaient les serveurs de nom du domaine wikileaks.org. En temps normal, quand il n'y a pas de problème, les serveurs de nom de wikileaks.org, vous pouvez voir aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est ns1.wikileaks.org, ns2, ns3, etc. Et là, on voit des noms hébergés chez l'hébergeur rival qui apparaissent pendant un moment très court. Hein, le premier ici, on voit que ça a été de 4h20 à 4h28. Après, il y a eu un changement pour d'autres serveurs, toujours chez Rival. Après, encore un autre changement le lendemain. Il s'est écoulé presque 24 heures, mais le changement a été refait. En fait, il y a eu une bagarre de ajout-suppression, avec à chaque fois changement des serveurs de nom. Le bailiwick, le bailliage, c'est pour indiquer quels sont les serveurs qui avaient répondu. Donc là, c'est ceux de .org. Le DNS est arborescent. Donc avant d'arriver à wikileaks.org, il faut passer par les serveurs de .org. C'est ça qui répondait. Et là, par contre, c'est ce que répondaient les serveurs de wikileaks.org, ou du moins ceux qui se prétendaient tels. Donc là, sur ces éléments-là, il n'y a aucun doute sur les faits, sur ce qui s'est passé, à savoir qu'il y a eu changement des serveurs de nom. Les serveurs de nom en question n'ont aucun rapport a priori avec Wikileaks. Donc quelqu'un a réussi à changer les serveurs de nom. Une fois qu'on a changé les serveurs de nom, on peut mettre dans la zone DNS le contenu qu'on veut. Et donc on a une maîtrise complète de où on va être envoyé. C'est-à-dire que d'une manière générale, si votre but c'est de mettre un message rigolo sur la page d'accueil, pirater le site web via un CMS pas mis à jour, c'est une des méthodes, mais ce n'est pas la seule. Au contraire, détourner le trafic vers une autre machine que vous contrôlez, c'est une méthode qui, dans certains cas, est meilleure. Donc c'est ce qui s'est produit ici. Donc pour le résumé, pour l'interprétation, effectivement, le serveur web de Wikileaks n'a pas été touché. Donc quand Assange dit on n'a pas été piraté, factuellement c'est vrai, mais il joue avec les mots. Il joue avec les mots parce que le serveur web n'a pas été piraté, mais l'attaque a bien eu lieu. Il y a bien eu une attaque, on le voit dans DNSDB, et elle a été un succès. C'est-à-dire que le pirate a réussi à changer les serveurs de nom de wikileaks.org. Alors les conséquences ne sont pas exactement les mêmes. Rappelez-vous que Wikileaks permet de recevoir des soumissions de lanceurs d'alerte, de gens qui a priori risquent gros avec ce qu'ils font. Donc si quelqu'un avait accès au serveur web, si quelqu'un passait route sur le serveur web et par exemple que le serveur web gardait les logs des soumissions et que les gens n'ont pas utilisé Tor pour envoyer les données, à ce moment-là, effectivement, il y aurait eu des conséquences graves pour les lanceurs d'alerte. Potentiellement, ça aurait compromis la sécurité des lanceurs d'alerte. Donc le fait que le serveur web n'ait pas été touché est une bonne chose, c'est tant mieux pour les gens qui envoient des données à Wikileaks. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a eu aucune conséquence. La conséquence la plus évidente, c'est celle qu'on voyait au tout début de cet exposé, avec le site web qui affichait ce message rigolo. Donc, quand Assange dit il n'y a pas eu de piratage, mais il y en a eu un, il joue sur les mots. Ça, c'est moins grave que si le site web avait été piraté, mais il y a bien eu quelque chose. Après, tout est une question de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pirater ? Bon, personnellement, si je faisais une équipe qui faisait de la réponse à incidents et notamment de la communication de crise, je n'embaucherais pas Julian Assange, parce que clairement, il a dans cette affaire pas mal perdu son sang-froid. Tout dépend aussi donc de le modèle de menace, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut protéger ? Effectivement, Monsieur de Lancy, le représentant de Lancy en Normandie, avait donné la liste des attaques, et notamment en parlant d'attaques contre l'image. Effectivement, l'attaque contre l'image a eu lieu et a été réussie. Par contre, les données sur le serveur, elles, n'ont pas été touchées. Donc c'est
tout l'ursa qui est important en sécurité aussi, c'est il faut voir exactement qu'est-ce qu'on veut protéger. Pour prendre un exemple classique, si vous, par exemple, quelqu'un réussit à pirater le site web du ministère de la Défense en France, par exemple, et à mettre un message idiot dessus, bah, ça serait mauvais pour l'image, mais je suis quasiment certain que ça n'aurait pas de conséquences sur le potentiel opérationnel de l'armée, puisque je ne pense pas que ça soit dirigé à partir du serveur web public. Donc le serveur web public n'est qu'une vitrine. Donc une attaque sur ce serveur n'aurait des conséquences que sur l'image, ce qui est embêtant, mais ce qui est moins grave que ça. Il y a 2 ans, au FIC, Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, avait parlé des défigurations web en disant que c'était un problème, enfin en gros de très peu d'importance, que ça l'empêchait pas de dormir, et compte tenu du manque de moyens humains de son agence, il n'allait pas mettre du monde à bosser là-dessus, il y avait des choses autrement plus graves. Donc pour comprendre maintenant quelle a été l'attaque, quel a été le problème, qu'est-ce que Wikileaks a fait ou n'aurait dû faire ou n'aurait pas dû faire, il faut revenir un peu sur comment fonctionne l'enregistrement des noms de domaine. Parce que c'est compliqué. Et de mon expérience, donc je travaille à l'AFNIC, le registre des noms de domaine en .fr, et on reçoit régulièrement des coups de téléphone, des mails de gens ayant des problèmes. Et souvent, leur méta-problème, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment quels sont les acteurs. Ils me disent, j'ai un problème. Alors, première question qu'on me pose, c'est quel est votre bureau d'enregistrement? Ils disent, c'est quoi ça? Bon, alors, qui a fait le site web de votre entreprise? Ben, c'est machin. Bon, machin, on ne connaît pas. Et ainsi de suite. Donc, les noms de domaine sont enregistrés dans une base de données maintenue par un registre. Un exemple, c'est l'AFNIC pour le .fr, VeriSign pour le .com. Dans le cas de Wikileaks, c'est un .org, donc Afilias. Enfin, PIR, mais c'est Afilias. Et en général, dans la plupart des registres, il n'y a pas d'enregistrement en direct. Il faut passer par un bureau d'enregistrement. Comme OVH, Gandhi, Book My Name, etc. Il y en a beaucoup comme ça. Et ensuite, on met les données sur des serveurs de noms qui sont hébergés par un hébergeur DNS. Alors, le bureau d'enregistrement est souvent hébergeur DNS en même temps, donc beaucoup de gens confondent les deux fonctions. Mais il y a aussi des hébergeurs DNS qui ne sont pas bureaux d'enregistrement. Cloudflare est le plus connu, sans compter les gens qui hébergent eux-mêmes leur serveur DNS avec NSD sur OpenBSD sur un Raspberry Pi, par exemple. Ce genre de manip, vous pouvez le faire. Et donc, toutes ces fonctions sont distinctes et la plupart du temps, les utilisateurs sont complètement perdus. Ils mélangent tout, d'autant plus que je n'ai pas mis tous les acteurs ici, mais en plus, il y a par exemple pour la web agency qui va faire le site web. Si vous êtes une pizzeria et que vous faites un site web, vous vous adressez à une web agency qui gère tout ça et vous n'avez aucune idée de quel est votre bureau d'enregistrement. Donc, chacun de ces acteurs peut être défaillant au sens où il peut se faire pirater ou il peut être malhonnête. Donc, tous peuvent potentiellement modifier le contenu de vos informations DNS et mener par exemple à ce que les visiteurs de votre site web soient redirigés à un autre endroit. Alors, sans compter le fait. Alors, par exemple, premier cas possible, le compte du client peut se faire pirater. Typiquement, pour vous connecter à votre bureau d'enregistrement et ou à votre hébergeur DNS, vous avez une interface web, login, mot de passe. Dans certains cas, c'est une authentification 2 facteurs, mais pas toujours. Et quand il y en a, elle n'est pas toujours utilisée. Et donc, c'est un compte comme un autre qui peut se faire pirater comme un autre. Par exemple, c'est probablement ce qui s'est passé pour les 2 piratages de Canal Plus en mars 2016 et de Météo France quelques semaines après. On pense que c'est le même attaquant dans les 2 cas parce que le message mis sur le site web à chaque fois était le même. Notamment, il était en albanais. Il n'y a pas tant de gens que ça qui écrivent en albanais. Dans les 2 cas, les informations disponibles donne à penser que c'était le compte du client qui s'est fait pirater. Par exemple, pour Météo France, c'était aussi bien leur .fr que leur .com qui a été modifié. Donc, ce n'était pas un problème d'un registre, puisque c'était 2 registres différents. Dans des cas comme ça, on suspecte toujours le classique mot de passe mis sur un post-it. Quelqu'un visite les locaux, voit le mot de passe, se connecte. Après, on est dans de la sécurité basique. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas une attaque super sophistiquée, c'est pas un grand hack, mais du point de vue de l'attaquant, c'est efficace. Le bureau d'enregistrement, lui aussi, peut être piraté. Par exemple, en 2009, google.co.ma, Emma c'est le Maroc, s'était fait comme ça rediriger vers une page, je ne sais même plus quel était le message politique, mais en l'occurrence, le bureau d'enregistrement avait un site web, le site web avait une injection SQL, quelqu'un a profité de l'injection SQL, a pu modifier la base de données après du bureau d'enregistrement, qui a donc envoyé ça au registre de .ma, et pouf, Google était redirigé. C'est souvent Google qu'en est la victime, ou en tout cas celle qu'on connaît en plus, parce que, évidemment, si vous avez un message politique à faire passer,
si vous voulez distribuer du malware, c'est plus intéressant de rediriger Google que la pizzeria du coin. Mais un exemple beaucoup plus fameux, c'était le piratage de Melbourne IT en août 2013. Donc là, il n'y a vraiment aucun doute que c'était le BE, Melbourne IT, qui s'est fait pirater. La SEA, la Syrian Electronic Army, c'est un groupe de pirates pro-Assad qui pirate un peu tout le monde pour mettre des messages pro-Assad. Et là, en l'occurrence, ils ont eu leur plus beau succès. Ils ont réussi à détourner le domaine de New York Times. Donc sur la page d'accueil du New York Times, il y avait un message pro-Assad. C'est embêtant. Inam, un autre gros BE, s'est fait avoir en avril 2015 et ça a permis de détourner le site d'une banque. Donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir. Donc là, le bureau d'enregistrement est un problème, c'est un intermédiaire dont on a besoin et qui peut lui-même avoir une sécurité plus ou moins forte. C'est le problème classique de la sous-traitance, on ne peut pas tout faire tout seul, on est obligé de dépendre d'autres personnes et ces autres personnes peuvent avoir une sécurité plus ou moins bonne. Puis bien sûr, le registre lui-même peut se faire pirater. Par exemple, .pr, c'est Porto Rico, s'est fait pirater en 2009. Injection SQL aussi, c'est bon. De nos jours, normalement, il y a moins d'injection SQL, on peut espérer. Mais il y a une époque où ça se faisait beaucoup. Et là, le type a détourné plusieurs noms de domaine qui étaient sur des bureaux d'enregistrement différents. C'est comme ça qu'on sait que c'est plutôt le client, plutôt le BE, plutôt le registre qui s'est fait pirater. Là, en l'occurrence, tous les noms détournés étaient dans le même TLD.pr était sur des bureaux d'enregistrement différents. Donc, bon, en l'occurrence, dans le cas présent, en plus, le registre l'a reconnu et a publié une bonne analyse très honnête. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, .bd, Bangladesh. Alors, 2016, c'est la troisième fois où ils se sont fait pirater. C'est un peu, c'est pas nouveau. Et eux, par contre, ne communiquent absolument pas. Mais bon, il y a eu des études indépendantes qui ont été faites. Donc, c'est un des éléments à prendre en compte quand on choisit un TLD. Vous savez, par exemple, actuellement, la mode en ce moment chez les startups, c'est .io. Quand vous choisissez un TLD, il y a tout un tas de critères. Un des critères, c'est la sécurité du registre. Et puis, il y a d'autres intermédiaires qui peuvent être piratés ou malhonnêtes. Il y a souvent un revendeur devant le bureau d'enregistrement qui n'est pas le bureau d'enregistrement. Il y a l'hébergeur DNS dont j'ai parlé. Mais par exemple, si vous hébergez par exemple vous-même vos propres serveurs DNS et que vos machines ne sont pas bien protégées et se font pirater, ben, même si le registre et le bureau d'enregistrement ne sont pas piratés, vous pouvez avoir des problèmes. Et puis il y a tout un tas d'autres intermédiaires avec un seul E. Par exemple, en juillet 2017, tout un tas de domaines de Gandhi se sont fait rediriger vers des domaines en .ga au Gabon. Et le problème, et Gandhi a tout à fait honnêtement documenté le problème. Il faisait appel pour certaines fonctions à un intermédiaire qui apparemment s'est fait pirater. Et donc, ça a permis de compromettre tout un tas de domaines. Donc, même quand vous choisissez bien vos prestataires, vous ne savez pas si vos prestataires ont eux-mêmes bien choisi leurs prestataires. C'est un problème classique en sécurité. Il y a aussi des risques légaux, parce qu'un nom de domaine peut être saisi sans piratage, sans hack, simplement de façon légale. Le cas typique, c'est l'ICE, qui est l'agence états-unienne qui s'occupe entre autres de tout ce qui est propriété intellectuelle, et dont une de leurs spécialités, c'est d'envoyer au registre du .com, VeriSign, des ordres de transfert d'un domaine, qui fait qu'après, sur le site web, ben, en fait, au lieu de voir un message disant « Ah, ah, je t'ai hacké, je suis le meilleur, je suis le roi des hackers, je suis l'élite », au lieu de ça, on voit un message disant « Le gouvernement des États-Unis a saisi ce domaine, et en raison de l'article temps et de la loi de temps, et si vous passez outre, c'est $250,000 d'amende, et etc. Ce genre de choses. Et en plus, c'est possible sans jugement. Ça, c'est pour les États-Unis. Ça s'est fait dans d'autres pays. Le cas typique, c'est Sci-Hub, le site de partage d'articles scientifiques, qui a perdu son domaine .io en mai 2016 et il l'a reperdu là, en novembre 2017, après l'avoir regagné devant les tribunaux. Wikileaks lui-même avait été victime de ce problème. En décembre 2010, le registre avait suspendu wikileaks.org, l'a rétabli après. Le point important pour ça, que les gens oublient toujours, c'est qu'il n'y a pas de TLD international. Si vous utilisez un .com, par exemple, beaucoup de gens croient que .com, c'est international au sens où ça volerait au-dessus des législations locales. Pas du tout. Le registre est états-unien, il dépend du gouvernement des États-Unis, de contrats aux États-Unis. D'ailleurs, vous savez, quand vous enregistrez un nom de domaine, vous cochez une case, j'ai lu les conditions d'enregistrement dans .com et je les accepte. Alors, qui a déjà enregistré un .com ici ? Qui a lu les conditions en question avant de cocher la case ?
Bon, voilà. Eh bien, si vous les aviez lus, vous verrez que les seuls tribunaux compétents sont ceux des États-Unis. Donc, je vous recommande de suivre des cours ou alors de lire les romans de John Grisham pour avoir une idée de comment fonctionne le système légal aux États-Unis. Donc, si vous utilisez un .com, vous êtes soumis à la loi états-unienne, il faut le savoir. Vous utilisez un .BD, vous êtes soumis à la loi du Bangladesh et ainsi de suite. Alors, ça peut arriver en France aussi, hein, il n'y a pas de miracle. D'une manière générale, il n'y a pas de garantie pour le titulaire de nom de domaine. Par exemple, l'affaire Milka en 2005, c'était Madame Milka, c'était vraiment son prénom, elle était d'origine slovène, elle est toujours d'origine slovène d'ailleurs, mais elle a perdu son domaine au profit d'une multinationale de l'alimentation. Ça peut marcher aussi des fois sans qu'il y ait un jugement. Par exemple, il y avait une institutrice en 2012 qui avait fait un blog avec ses élèves qui s'appelait Madame Figaro, il y a eu un procès du journal du même nom, mais ça s'est terminé avant le procès en fait. Les seules menaces, évidemment, une institutrice toute seule contre un grand groupe de presse, elle ne pouvait pas aller très loin. Donc on a, d'une manière générale, il y a toujours un risque, un nom de domaine, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de promesse, c'est pas comme votre logement, par exemple, où il y a des règles qui font qu'on ne peut pas vous expulser de votre logement n'importe comment. Pour les noms de domaine, il n'y a aucune règle de ce genre-là. Alors le détournement, on arrive au détournement. Le détournement, c'est donc les manœuvres qui permettent de mettre la main sur un domaine. Et il y a tout un tas de méthodes pour ça. Par exemple, certaines proches du hameçonnage envoyaient des faux messages, ce qui a été utilisé pour un cas très fameux, sexe.com. Sexe.com, comme vous en doutez, c'est un domaine qui suscite beaucoup de convoitises. Le premier détournement de sexe.com, à l'époque, VeriSign, le registre de .com, acceptait pour changer un domaine un fax. Un fax en tête quand même. Mais bon, c'est pas très difficile de faire un faux fax. Donc faux fax, sexe.com détourné. Il a été détourné plusieurs fois comme ça. Et le journaliste Kieran McCarthy en a fait un bouquin qui s'est bien vendu, évidemment, parce qu'il y avait sexe.com dans le titre. Donc c'est avec ça, c'était sûr d'intéresser beaucoup de monde. Il y a eu donc tout un tas d'opérations compliquées autour de ce domaine. Il y a des tas d'autres cas où des noms de domaine ont été détournés. Outre les cas que j'ai cités, le but était plutôt politique. C'est-à-dire on détourne un nom vers un site web où il y a un message politique. Des fois incompréhensible. Dans le cas de Météo France, le message politique était en albanais, ce qui limitait quand même le nombre de gens qui pouvaient comprendre le message. Mais bon, chacun ses goûts. Alors il y a évidemment aussi, bien sûr, souvent des motifs financiers. C'est le cas donc de Saint-Louis Fed, la réserve fédérale états-unienne, en avril 2015, quand il y avait le piratage d'Inom. Plus récemment, évidemment, la blockchain est à la mode. Donc la blockchain étant à la mode, tous les trucs qui ont un rapport avec la blockchain, et notamment avec le Bitcoin, dont vous êtes au courant, à moins que vous ayez vécu dans une grotte depuis un an, vous êtes au courant que le Bitcoin a beaucoup monté récemment. Donc blockchain.info, qui gère entre autres certains portefeuilles Bitcoin, a été détourné comme ça en octobre 2016. Conhive.com, c'est également un site qui, entre autres, fournit des comptes pour des gens qui gèrent des portefeuilles de Bitcoin, l'a été en octobre 2017. Et là, en plus, le détourner vers un site web où il y avait un JavaScript qui minait une crypto-monnaie, je crois que c'était Monero. Donc il y a tout un tas de motivations possibles. Là, les motivations étaient strictement financières. Ça peut être de distribuer du malware aussi. Si vous arrivez à détourner, j'avais dit par exemple le ministère de la Défense tout à l'heure, si vous arrivez à détourner le site web du ministère de la Défense, ça peut être intéressant de distribuer un malware avec du drive-by parce que les gens qui visitent ce site peuvent être souvent des cibles intéressantes. Donc si vous êtes un État, bon, les États étrangers, ils sont tous amis, aucun ne ferait ça, hein, mais ça pourrait quand même arriver. Alors souvent, le détournement de nom dans la presse est baptisé de nom pittoresque, et notamment il y a un truc que vous verrez souvent, c'est empoisonnement DNS ou DNS poisoning. Alors ça, c'est vraiment le truc qui apparaît tout le temps. Hein, c'est dès qu'il y a un problème avec un nom de domaine, les médias écrivent DNS poisoning ou il y a eu un empoisonnement DNS. Alors il faut savoir que c'est du pipeau. Ce terme d'empoisonnement DNS désigne une attaque DNS bien spécifique, et notamment DNS, c'est-à-dire liée au protocole que parlent client et serveur dans le DNS. Là, le détournement de nom de domaine dont j'ai parlé ne font pas du tout appel au DNS et n'ont rien à voir avec le DNS. Envoyer un fax au registre pour le tromper et obtenir que le nom de domaine soit redélégué, ça n'a rien à voir avec le protocole DNS et vous pouvez le faire même si vous ne connaissez rien au protocole DNS. Donc soyons un peu rigoureux, ne faisons pas comme les médias, soyons un peu rigoureux. Un détournement de nom de domaine,
Ce n'est pas un empoisonnement DNS. C'est quelque chose de tout à fait différent. Les empoisonnements DNS, en vrai, sont rares. Bon, il faut dire aussi qu'ils sont difficiles à mesurer, peut-être plus qu'on le croit, mais en tout cas, on a peu de cas documentés. Alors que des détournements de nom de domaine, il y a des tas de cas documentés qu'on a. Et c'est bien, donc pas par hasard que j'ai parlé de détournement de nom de domaine ou de problème de nom de domaine. Je n'ai pas cité le DNS jusqu'à présent parce que ça n'a rien à voir avec le DNS. Toujours en parlant des médias, il y a un point qui est très rarement traité dans les conférences sécurité et qui est pourtant très important, c'est le problème de comment on investit sur un réseau. J'ai cité des tas de problèmes, là, Canal+, Météo France, Saint-Louis Fed, Sexe.com, etc. Comment on sait ce qui s'est passé? Comment on le sait vraiment? Alors, je vous dis tout de suite, il ne faut pas faire confiance aux médias. Hein. L'information qu'il y a dedans, c'est vraiment n'importe quoi, ça n'est pas vérifié. Quand c'est vérifié par des incompétents. Il faut être aussi conscient des conditions objectives du processus de production. Les journalistes sont sous pression, ils doivent faire un truc rapidement. Coco, tu me fais un article sur le détournement de Canal+ pour 11h, et puis après, tu couvres un match de football. Donc, dans ces conditions, le journaliste ne peut pas faire un travail correct. Mais beaucoup de gens prennent ça au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, où on peut s'informer sur Internet. Si on veut des conneries, on en a plein sur Internet. On n'a pas besoin des médias traditionnels. Mais malgré ça, beaucoup de gens croient que ce qui apparaît dans les médias traditionnels, ça a une sorte de valeur particulière. Et donc, quelque chose qui est passé dans BFM TV ou sur iTélé ou dans Le Figaro ou même dans Le Monde ou Libération, les gens tendent à y croire comme si c'est... Mais si c'était vrai, c'est dans le journal, vu à la télé. Ça marche peut-être pour d'autres domaines, encore j'en suis pas sûr, mais pour les incidents de sécurité informatique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'information publique est d'une qualité catastrophique. Et pour la grande majorité des attaques, il n'y a jamais de bilan indépendant et public qui est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisme tiers qui fait une enquête et qui publie. C'est une grosse différence avec, par exemple, les accidents d'avion. Les accidents d'avion, quand il y en a un, il y a une enquête qui est faite par un organisme qui ne dépend ni de la compagnie aérienne, ni du constructeur, et qui est rendue publique. Alors, ils peuvent se tromper, ils peuvent mentir, mais il y a quand même bien plus d'informations et bien plus de chances qu'elles soient correctes. Dans le cas des incidents de sécurité informatique, ça n'est pas le cas. Il y a un journaliste à un moment qui dit un truc, tous les autres le reprennent sans vérifier. De toute façon, personne n'y comprend rien. Les informations qu'il y a qui sont publiées par les boîtes ne sont pas toujours fiables. Certaines boîtes publient, en cas d'incident de sécurité, un bilan post-mortem correct. C'était le cas de Gandhi dans l'incident qu'il y a eu en juillet 2017, par exemple. C'était le cas du registre de .pr Porto Rico quand ils ont été piratés. C'est l'exception plutôt que la règle. La plupart du temps, on n'a rien. Quand il y avait eu la fameuse erreur de Orange qui avait redirigé Google et Wikipédia vers le site web du ministère de l'Intérieur qui disait « Vous avez tenté de consulter un site web terroriste », Orange n'a rien publié, rien du tout. Même pas un communiqué pipo disant « Oups, pardon, on s'excuse ». Non, non, rien du tout. Et ça, c'est plutôt l'état actuel de la cybersécurité, c'est ça. Donc pourquoi il y a tant de problèmes? Souvent, les gens me demandent « Mais enfin, comment ça se fait avec tous les ingénieurs sécurité qu'on paye très cher, comment ça se fait qu'il y a encore des problèmes de sécurité sur Internet ?» Ben, une des raisons, c'est que justement, il n'y a pas de publication. Il n'y a pas d'études indépendantes et il n'y a pas de publication. Donc en fait, on est dans le noir, on essaye de deviner, on y arrive parfois, mais pas toujours. Donc les médias, c'est des données non sourcées, on ne sait pas qui l'a dit ou pourquoi, pas vérifiables indépendamment et de toute façon pas vérifiées par le type qui les a émis à l'origine. Donc, toujours garder ça en tête. C'est très rarement mentionné quand on parle d'incident réseau, mais toujours garder ça en tête. L'information est de mauvaise qualité, y compris quand vous prenez des rapports. Si vous lisez, par exemple, des trucs comme les rapports de Harbor ou de Kaspersky ou des boîtes comme ça. Alors d'abord, il y a un premier problème, c'est que c'est des boîtes qui vendent des solutions de sécurité. Donc on peut soupçonner, si on est comme moi un affreux paranoïaque, on peut soupçonner que des fois, ils ne disent pas la vérité parce qu'ils pensent à leurs intérêts commerciaux. Mais bon, ça, ce n'est pas possible, mais enfin, on peut y penser quand même. Et de toute façon, ces rapports sont toujours insuffisants et incomplets. Par exemple, juste avant, François Conta parlait des attaques par déni de service. Les attaques par déni de service utilisant le DNS, il y a eu des rapports là-dessus où il manquait vraiment les éléments les plus importants. Du genre, est-ce que c'était une attaque contre un résolveur ou un serveur faisant autorité? Est-ce que les attaquants avaient mis le bit doux à un ou pas qui permet d'utiliser les capacités de DNSSEC? On n'en sait rien. Il n'y a aucun détail dans ces rapports. Il y a juste des trucs du genre,
il y a de plus en plus d'attaques, on va tous mourir, leur nombre est en augmentation constante, etc. Donc on est dans un domaine, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, c'est un peu comme si les médecins travaillaient uniquement avec, non pas avec, uniquement avec des informations type Monsieur Michu entendu au Café du Commerce, et au lieu de pouvoir se baser sur des études scientifiques. Là, la sécurité informatique, elle en est au stade Café du Commerce. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait tant de problèmes. Alors dans le cas de Wikileaks, qu'est-ce qui s'est passé donc, finalement? Donc il y a eu détournement du nom de domaine, ça c'est sûr. On l'a vu dans la base de DNSDB. Les serveurs de nom ont été changés, ok. Mais qui les a changés et comment? Eh bien, spoiler, on ne sait pas. On ne sait pas pour la raison que j'ai dit précédemment, hein, c'est qu'il n'y a pas d'enquête indépendante. Wikileaks n'a pas porté plainte. S'il l'avait fait, je ne sais pas si la police aurait enquêté, et je ne sais pas si les résultats auraient été publics avec des détails techniques permettant à des ingénieurs de comprendre de quoi il s'agit. Wikileaks ne l'a pas fait. Je ne travaille pas pour Wikileaks, donc je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et si je le faisais, plus souvent en sécurité informatique, un autre problème, c'est que les gens compétents sont tous, ils sont tous menottés parce qu'ils travaillent presque tous pour une boîte qui a des intérêts là-dedans, donc ils ne peuvent pas dire publiquement la vérité. Donc ça aggrave encore le problème de communication. Donc on ne sait pas. Si on savait, on ne pourrait pas le dire. Wikileaks n'a rien publié, rien du tout, à part le tweet de Julian Assange que j'ai montré et quelques autres avec encore moins d'informations. Donc on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Il y a quelques boîtes qui sont de bonne volonté et qui publient des détails. Le rapport qu'avait fait Gandhi pour l'incident de juillet 2017 était un modèle d'honnêteté et de détails. Alors d'honnêteté, on n'est jamais sûr, mais tout ce qui est émis dans leur rapport, ça se tient et ça correspond aux faits publics. Donc c'est sans doute vrai. Et en plus, c'était très détaillé. Mais la plupart du temps, il n'y a rien. Donc Wikileaks n'a rien publié. Même s'il l'avait publié, il y a des choses qui sont impossibles à vérifier. Il y en a qu'on peut vérifier de l'extérieur. Le changement des serveurs de nom se voit dans DNSDB, donc on peut l'observer. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La copie d'écran qu'il y avait au début, et que j'ai extrait d'un article publié à l'époque, bon, elle montre bien qu'il y a eu quelque chose, mais elle dit pas, il n'y a pas assez de détails. Moi, j'aurais voulu des digues, des pings, des traces routes, des trucs comme ça. On ne les a jamais, ça. Sauf si on se trouve être de service à ce moment-là, qu'on est prévenu tout de suite et qu'on peut le faire soi-même. Mais si ça arrive, par exemple, pendant la nuit et que le matin, on découvre ça en arrivant au bureau alors que ça a déjà changé, ben on ne peut rien faire. Les infos sont déjà passées. Alors, il y a des gens sans doute qui savent ce qui s'est passé, hein. Par exemple, je ne serais pas étonné que la NSA sache ce qui s'est passé. Mais ils ne vont pas le dire. Donc, tout ce qu'on peut dire avec une certitude, c'est que les faits observés, notamment avec DNSDB, mais pas seulement, sont compatibles avec l'hypothèse que le compte Wikileaks s'est fait pirater. C'est-à-dire que le compte qu'utilise Wikileaks pour configurer son domaine wikileaks.org auprès de son bureau d'enregistrement, Dynadot, ce compte-là a probablement été piraté. C'est probablement pas un piratage du registre.org, parce que quelqu'un qui aurait piraté .org, il aurait pu s'attaquer à des tas d'autres domaines que Wikileaks. Quelqu'un qui aurait piraté le bureau d'enregistrement d'Inadot, ils ont quelques domaines assez sensibles aussi, il y en aurait eu d'autres que Wikileaks. À chaque fois qu'un bureau d'enregistrement s'est fait pirater, le type en a profité pour changer plusieurs domaines. Donc là, le fait qu'il n'y ait qu'un seul domaine changé fait que c'est probablement le compte de Wikileaks qui s'est fait pirater. Alors pirater comment? J'en sais rien. Est-ce que le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce que le mot de passe figurait sur un post-it? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus subtil qui a été utilisé? Peut-être une attaque par hameçonnage. Votre domaine va bientôt expirer. Connectez-vous tout de suite pour le renouveler. Et puis on ne fait pas attention, on se connecte, on tape login, mot de passe. Tous les grands classiques de la sécurité. C'est un point important, hein, c'est que la présentation qui est faite dans les médias des attaques de sécurité, c'est très souvent la présentation avec le hacker super compétent. Alors d'abord, le hacker, il a de la cagoule. Sans la cagoule, on ne peut rien faire. Il a des gants. J'ai même vu une photo où il avait des gants de boxe pour se servir d'un clavier. Ça ne doit pas être très pratique. Et il tape à une vitesse pas possible. Enfin, il tape tellement vite que soit il tape très vite, soit il tape n'importe quoi. Et il est super compétent. Je veux dire, il tape par exemple un code C comme ça, à toute vitesse, et ça marche du premier coup, et ça compile du premier coup. Ou alors il connaît des trucs invraisemblables, il sait faire des calculs de multiplication sur la courbe elliptique de tête, enfin des trucs comme ça. Mais en fait, la réalité du monde de la sécurité, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est ça dans quelques attaques très minoritaires. La plupart du temps, les attaques utilisent des méthodes de basse technologie. Donc je suis désolé pour les étudiants parmi vous qui disent « Ah, je vais faire de la sécurité informatique parce que là, on va faire des trucs super compliqués, super chauds. » La plupart du temps, les gens qui se font pirater, c'est pour des trucs très bêtes.
C'est ce qu'avait dit le délégué de l'ANSSI en Normandie là, ce matin, quand il avait dit qu'on pouvait éviter, je crois, 80-90% des attaques en prenant simplement quelques précautions très très bêtes. Du genre ne pas avoir un 2, 3, 4 comme mot de passe. Et en plus, il y a un problème qui est d'ordre plus social. Il avait aussi montré une très jolie photo. Vous savez, la photo de la porte avec le vérin, la pancarte disant « cette porte doit rester fermée » et la canette de coca qui bloquait la porte. En disant qu'il y avait un triptyque de la sécurité, la technique, la réglementation, l'humain. Et souvent, l'humain casse les belles mesures de sécurité qui ont été prises. Donc ici, ça peut être effectivement une erreur de ce genre-là, une erreur humaine, un problème, un humain qui a fait une bêtise. Tout ça est possible. Les gens, quand on leur présente des trucs comme l'ingénierie sociale, les gens disent toujours « mais non, moi, ça ne peut pas m'arriver. Je suis trop intelligent pour me faire avoir ce genre de choses. » Mais quand on les fait dans le cadre d'un pen test, ça marche. Donc les gens se font avoir. Et il y a un problème qui est spécifique au nom de domaine cette fois, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est important. En général, les gens ne connaissent pas l'importance des noms de domaine, ne sont pas conscients qu'on peut pirater un site web en redirigeant simplement les noms. Et donc, il y a une vigilance qui est plus basse. Les gens qui ont le mot de passe permettant de mettre à jour le site web sont en général conscients d'une responsabilité. Ils savent que si ce mot de passe fuit, quelqu'un pourra modifier le site web et c'est mauvais. Mais les gens qui gèrent le nom de domaine en général n'en sont absolument pas conscients. Et dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas les mêmes, et c'est des gens qui n'ont pas vraiment une conscience du problème. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de Wikileaks. J'observe que les messages qu'a envoyé Assange publiquement semblent indiquer qu'il ne connaît pas grand-chose à l'enregistrement de nom de domaine et qu'il a pu se faire avoir aussi comme ça. Alors, un petit mot d'ailleurs, cette fois sur le DNS, sur le protocole, qui est important pour voir l'effet qu'a eu l'attaque, c'est que le DNS dépend beaucoup de cache, c'est-à-dire de mémorisation des réponses. On ne réinterroge pas les serveurs à chaque fois, on met ça en mémoire. Qui dit cache dit qu'un problème dure longtemps. Les caches sont bons en temps normal, hein, mais pour une attaque, ils peuvent prolonger l'effet d'une attaque. Un truc que j'ai délibérément pas mis dans les transparents, mais je vais dire là, mais ne répétez pas trop, c'est que l'attaquant sérieux, quand il a fait modifier un nom de domaine, il augmente le TTL, c'est-à-dire la durée de vie des enregistrements, pour prolonger la durée de l'attaque. Ce qui montre que la plupart des attaquants sont des nuls, c'est qu'ils ne pensent pas à ça en général. Donc, je donne le conseil, mais ne le répétez pas, parce que si le jour où les attaquants l'utiliseront, on sera bien embêté. Mais actuellement, ça relève du fait que globalement tout ce qui est nom de domaine et DNS est relativement peu connu et que les gens font des bêtises qu'ils ne font pas dans d'autres secteurs. Donc même une fois qu'on a corrigé, et là vous avez vu les dates qu'il y avait dans DNSDB, ça n'a pas duré très longtemps, mais l'effet perdure. Par exemple, vous avez ici toujours DNSDB, mais cette fois au lieu de demander les serveurs de nom du domaine wikileaks.org, je demande l'adresse IPv4 associée à wikileaks.org. Ça c'est l'adresse de l'attaquant, les vraies adresses ne sont pas du tout comme ça en temps normal. Elle était attribuée à l'époque à un opérateur chilien, elle a été transférée à un opérateur brésilien depuis, et vous voyez que là il y a eu plus de 24 heures. En partie en raison des caches. C'est-à-dire que l'information est restée longtemps dans les caches, même si l'attaquant n'avait pas pensé à augmenter le TTL, la durée de vie qu'on peut décider. Donc, même une fois qu'un problème est corrigé, il dure. Et là encore, hein, c'est un autre cas où on voit que oui, les gens de Wikileaks ne connaissaient rien au DNS. Ils ont corrigé le problème et annoncé « ça y est, c'est réparé ». Ben non. Dans le DNS, c'est jamais réparé comme ça, à cause des caches. Il y a une autre particularité des attaques Internet. Ça, c'est aussi un truc qu'on trouve en DNSDB. On trouve une seule observation. Les dates ici. Wikileaks.org qui pointait vers 127.0.0.1, c'est-à-dire localhost. Alors, le problème des attaques Internet, c'est que très souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On observe, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Pourquoi il a fait ça? Quel était son intérêt? Ben, les motifs financiers ou politiques, ça, je comprends. Je vois l'idée, mais là, des fois, les gens, ils font des trucs, et on se dit, mais what the fuck, quoi. Enfin, pourquoi 127.0.0.1? Qu'est-ce qu'il visait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mystère. Et ça, c'est très, très fréquent quand on analyse les attaques, et même un peu frustrant, souvent. C'est qu'on analyse des attaques, et on ne comprend pas, et des fois, on aurait vraiment envie de... Ah, putain, c'est con qu'il n'ait pas laissé son adresse email, je lui demanderais bien pourquoi il a fait ça. Et bon, malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas.
Autre outil d'observation, alors j'insiste sur ces outils d'observation parce que justement ce dont je me plains tout le temps, c'est que quand il y a une attaque, il n'y a pas de récolte de données brutes. Les gens qui voient l'attaque, qui sont là, ils ne pensent pas aux trucs de base comme faire des digues, faire des traces routes. Utiliser Wiz, par exemple. Wiz qui donne l'information sur un nom de domaine et qui l'a enregistré. On a le nom du bureau d'enregistrement. Il n'a pas changé. Donc on voit que c'était pas le problème ne venait pas de ce côté-là. Mais on voit la date de mise à jour. C'était pas la dernière date, en plus. Si vous refaites aujourd'hui la même commande, vous verrez une date différente parce que dans la journée du 31, il y a eu plusieurs autres modifications. Ça, c'est la première que j'ai vue et qui montrait bien qu'il y avait eu modification du domaine et donc que ce n'était pas, par exemple, un piratage juste des serveurs DNS. Alors, à partir de là, on peut en déduire des bonnes pratiques de sécurité. La plupart n'ont rien de spécifique au nom de domaine. Si vous prenez, par exemple, le guide d'hygiène numérique qui est sur la table de l'ANSSI, ici, à côté du café, vous aurez tout un tas de bons conseils que tout le monde connaît, mais que personne ne suit, mais qui auraient empêché pas mal de problèmes. Par exemple, ne pas mettre le mot de passe du compte sur BE sur un post-it. Alors, quand je dis ça, tout le monde rigole. Et évidemment qu'on ne fait pas ça. Oui, mais après, quand on visite une entreprise, qu'est-ce qu'on constate ? On voit des mots de passe sur les post-it. Donc, alors, des fois, le post-it est planqué sous le bureau. C'est un peu mieux. Enfin, pas quand c'est un bureau transparent comme ça, mais quand c'est un bureau opaque, ça marche un petit peu mieux. Vous vous souvenez tous du reportage sur TV5 Monde après le piratage ? On voyait un journaliste de TV5 Monde interrogé dans les locaux de la chaîne et on voyait derrière lui le post-it avec le mot de passe du compte YouTube de TV5 Monde. Donc, bon, ça donne une idée des problèmes généraux de sécurité dans le monde réel. En théorie, ça ne devrait pas arriver. Mais le monde réel, il est nettement différent de la théorie. Donc, la sécurité du système d'enregistrement est importante et de l'hébergement DNS. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a votre bureau d'enregistrement, mais il y a aussi l'hébergeur DNS, qui n'est pas forcément le même. Il y a bien sûr l'ingénierie sociale, alors la grand classique. Oui, bonjour, ici le service technique d'OVH. Alors, il y a problème. C'est quoi votre mot de passe déjà ? Ah, bah, oui, d'accord. Oui, bah, ok, bah, ça y est, c'est résolu. Merci, monsieur. Bonne journée. Et puis, trop tard, vous avez donné le mot de passe. Alors, évidemment, les gens, quand on leur dit ça, ils se récrient. Ils disent, mais je ne vais pas donner le mot de passe à un inconnu qui appelle. Ou alors, des fois, ils disent, mais ce n'était pas un inconnu, c'était le service technique d'OVH. Mais il faut savoir que les gens qui font de l'ingénierie sociale, ils ne font pas ça grossièrement. Ils n'appellent pas en disant, passe-moi ton mot de passe tout de suite. Ils mettent en confiance, ils discutent, et au bout d'un certain temps, ils finissent par demander l'information comme ça en passant. Et les gens le donnent. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours rappeler. Ça marche, l'ingénierie sociale. C'est moins glorieux que de faire un hack super d'un protocole ou d'un logiciel, mais ça marche. Et puis, d'une manière générale, il est nécessaire d'avoir une culture de sécurité informatique. Alors ça, c'est un conseil qui est spécifique au nom de domaine. Vous allez me dire, bah, non. Non, c'est pareil pour tout le monde. Si, parce que les noms de domaine dans la plupart des organisations ne sont pas gérés par le service informatique, dont on peut espérer qu'il s'y connaît un peu en sécurité, mais sont gérés soit par la com, soit par le service juridique. C'est le cas le plus fréquent dans la plupart des boîtes. Et la com ou le service juridique, en général, on n'aura pas donné une formation, on n'aura pas développé une culture de sécurité informatique, et donc ils se font avoir plus facilement. Ça ne veut pas dire que les informaticiens soient parfaits et ne se fassent jamais avoir, hein, mais disons que c'est pire ailleurs. De ce point de vue-là, je fais de la pub pour un excellent guide de l'ANSSI, dont le principal problème de ce guide, c'est que l'URL est très long, donc j'ai dû réduire la taille. Mais sinon, le guide est très bien fait. C'est l'ensemble des bonnes pratiques pour la gestion des noms de l'acquisition et l'exploitation des noms de domaine. Il y a plein de choses dedans. Je ne dirais pas que je suis d'accord à 100%, c'est difficile, mais il y a plein de conseils dedans. Vous faites déjà ça, c'est déjà pas mal. Et notamment, il insiste sur des tas de points dont je n'ai pas parlé, comme l'importance de bien choisir son registre, des choses comme ça. Alors, il y a d'autres précautions qui auraient pu être prises. Et on va revenir au tweet de Julian Assange. Par exemple, ça, c'est ce que faisait Wikileaks avant l'attaque. Wikileaks utilisait HSTS, c'est-à-dire un système d'épinglage qui dit au client HTTP que si une fois on a réussi à se connecter avec TLS, toutes les fois d'après, il faudra utiliser TLS. Ça protège contre les attaques par repli où un attaquant va essayer de vous faire vous connecter avec un protocole non sécurisé. Là, vous voyez la réponse du serveur de Wikileaks. Il y a bien l'entête HSTS qui dit que pour toute cette durée-là, vous allez devoir utiliser TLS. Donc ça marchait bien pour les gens qui avaient déjà visité wikileaks.org avant et qui avaient un client, un navigateur web, par exemple, qui gérait HSTS. Parce que dans ce cas-là, ça forçait l'usage de TLS, donc authentification. L'attaquant n'avait pas le bon certificat, donc il y aurait eu au minimum un message d'avertissement. Alors les messages d'avertissement, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, il y aurait eu au moins ça.
Donc ça, c'était une précaution prise par Wikileaks. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas prise. Alors, la liste est un peu plus longue, mais ce n'est pas forcément une critique de Wikileaks. Hein. C'est les précautions qu'ils n'ont pas prises, et des fois, c'était pour des bonnes raisons. Par exemple, ils n'utilisaient pas HPKP, qui est une technique d'épinglage de la clé, cette fois. C'est-à-dire que non seulement il faut se connecter en TLS, mais en plus avec la même clé. Alors ça, c'est une super comme sécurité. L'inconvénient, c'est que c'est lourd à gérer, parce que, par exemple, si vous utilisez Let's Encrypt pour vos certificats, à chaque renouvellement de Let's Encrypt, par défaut, les outils Let's Encrypt existants changent la clé. Donc, il faut penser à la modifier. Donc, c'est un peu galère. Donc, il y a des bonnes raisons de ne pas l'utiliser. Dans son tweet, Assange disait qu'il faut utiliser HTTPS ou le point oignon. Un seul petit problème, il n'y a pas de point oignon de Wikileaks. Enfin, il y en a eu un il y a très longtemps. L'adresse se trouve à cet endroit-là. Vous avez l'adresse du point oignon en question. Il a disparu depuis longtemps. Et Assange n'est pas au courant. Je vous avais dit, il est mauvais en communication de crise. Mais ça aurait été une bonne solution, parce qu'un point oignon, c'est un domaine, donc utilisant le réseau Tor et un identifiant qui est un identifiant cryptographique, donc on ne peut pas vous piquer votre nom de domaine, il n'y a pas de registre qui peut vous le piquer, il n'y a pas de registre dans le point oignon, vous ne pouvez pas vous le faire piquer légalement. Donc du point de vue sécurité, ça aurait été une bonne idée, effectivement, mais ça n'était pas fait. Il n'y a pas de DNSSEC. Alors, ceci dit, DNSSEC, il n'est pas sûr que ça aurait aidé ici. DNSSEC, c'est la signature cryptographique des enregistrements DNS. C'est une bonne idée, c'est une bonne précaution. Mais si le type peut pirater votre compte, il peut aussi changer les clés DNSSEC. S'il est incompétent, il le fera mal et ça sera détecté. S'il est compétent, c'est plus embêtant. Et puis, il n'y avait pas de verrouillage du domaine. Le verrouillage du domaine, c'est une fonction qui permet de dire au registre ce domaine-là, tu ne le modifies pas par les procédures normales, qui sont largement automatisées pour aller plus vite, mais il faudra une procédure manuelle pour toute modification. Manuelle, c'est vraiment manuel, hein, avec coup de téléphone et tout ça. Alors, ça coûte, évidemment. C'est embêtant, parce que quand on veut vraiment modifier son domaine après, c'est plus pénible. Mais ça marche. Et .org le permet, .fr le permet aussi. Petite pub au passage. Je vous recommande ce service. Si Météo France l'avait utilisé, il n'aurait pas eu de problème. Par contre, la sécurité, il n'y a pas de miracle. Hein. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Les utilisateurs, ils voudraient un truc qui soit rapide, pas cher, simple, automatique, sauf et sécurisé. Bon, ce n'est pas possible. Les techniques de sécurité, comme le verrouillage du domaine, ça rend les modifications pénibles, lentes, chères, etc. Voilà, merci de votre attention. Et puis, je sais que tout le monde est impatient de partir pour l'apéro, mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, juste en passant, les .eu, quel pays les gère ? Alors, .eu est géré par un registre qui a été désigné par la Commission européenne. Donc, le pays, c'est l'Europe, siège Bruxelles, et l'instance gestionnaire, c'est la Commission européenne. Donc, il a désigné une boîte, suite à un appel d'offres, a désigné une boîte pour faire le registre. La question de la loi applicable est un peu un problème intéressant dans le cas d'un .eu. Mais en tout cas, c'est quelque part en Europe, c'est sûr. Ma question était dérivée justement de ça, par rapport au TLD. La législation qui s'applique, vous avez dit que c'était en fonction du nom de domaine, donc .com par exemple, c'est les États-Unis. Mais la question que je me pose, c'est ça ne dépend pas plutôt de où sont situés les serveurs physiques, enfin, les... Non. Non, non, la localisation physique des serveurs n'a aucune importance. Alors, certains pays... certains registres exigent une localisation physique des serveurs. Par exemple, .us, vous devez avoir les serveurs aux États-Unis. Mais c'est rare. Et de toute façon, ça ne joue pas. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Par exemple, du genre, Amazon va mettre un data center en France, donc ça sera la loi française. Non, pipo, ça. Hein. La localisation physique, elle a une importance uniquement si on veut saisir les machines, par exemple, suite à un conflit commercial ou un truc comme ça. Mais autrement, ça ne change rien sur qui peut faire des changements, qui peut les appliquer. Et dans le cas de .com, de toute façon, les serveurs DNS de .com, ils sont dans le monde entier. Hein, donc, c'est pas ça qui compte. Et du coup, pour du .eu, c'est quelle législation qui s'applique ? Je ne suis pas juriste, donc je vais jouer mon joker. Mais demandez à votre service juridique, il sera ravi.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Bon, eh bien, merci Stéphane.